les amis. Ça va? Ça va bien? Est-ce que ça va? Mettez un peu les commentaires si ça va. Ça, c'est la ville de Austin. Je vais entrer ici. C'est ici que je vais entrer. Oui, c'est ici. Downtown. Downtown de Austin. Nous sommes ici, downtown. J'aime un peu montrer un peu le vidéo à l'extérieur parce que les gens me disent que j'aime trop faire voir les vidéos de mon bureau. Et je suis venu ici pour faire voir aussi les gens. What hamburger? Je n'ai jamais vu ça, Want Hamburger. C'est aussi hamburger. Ici, il y a beaucoup de compagnies d'hamburger. Ce n'est pas seulement le Burger King, de McDonald's. Il y a beaucoup, hein. Want Hamburger. Moi aussi, je vais créer aussi ma compagnie d'hamburger. Les Américains aiment des hamburgers. Et mes amis, hier, on était partis dans un restaurant. Dans un restaurant. Oh non, non, c'était chic, vraiment. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. On a mangé l'hamburger. Depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé l'hamburger comme ça, mes amis. C'était l'hamburger même. C'était vraiment plein. Il y avait plein de choses. Ah, Seigneur. Non. Parfois, c'est bien de vivre. Mini Cooper. J'ai fait une vidéo sur ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez voir, j'ai fait une vidéo sur ça, Mini Cooper. J'attends les feux rouges ici. Et ça dure ici. Ça dure. Ça dure. Ça dure. Je vais entrer ici. Je ne suis pas les jaunes même, mais ça va. Je ne sais pas. Ça va. Austin. Vous allez voir Austin. C'est quoi même ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Ils sont en train de manger. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manger là-bas? Regardez un peu la fumée. Vous voyez la fumée? C'est que là-bas, ils sont en train de manger quelque chose là-bas. Hein? Ah, j'ai aimé cet endroit ici. Je vais venir ici après. Laisse-moi un peu prendre la localisation de cet endroit ici. Je vais prendre la localisation. Qui aime un peu klaxonner les gens, tu vois bien que je vais entrer, mais tu fumes fin fin. Je prie à gauche. Il faut regarder si la voiture ne vient pas. Ça ne vient pas. Ok, maintenant j'entre. Il faut toujours vérifier. Et puis c'est parti. Vous aimeriez ces 17 minutes rouge. C'est quel route que je prie comme ça? Ça va tirer au moins là. Je n'ai pas eu le temps de partir à Downtown. J'ai un peu passé un peu sur Downtown. Mais je prends un peu le temps de vous faire voir un peu la ville de Austin. Un peu. Goûter un peu la ville de Austin. Là, c'est un parc. Regardez comment c'est joli là-bas, mes amis. Regardez comment c'est joli le dimanche. Il y a les gens qui viennent ici avec leur bateau.
avaient leur petit bureau pour faire un peu le tourisme ici, les dimanches. Il y a beaucoup de gens de vélo, je veux entrer ici, je veux entrer ici. Ce n'était pas planifié que je vous montre la ville de Austin, mais comme je suis en train de rentrer à la maison, je me suis dit pourquoi pas. Regardez un peu là-bas, il y a les poissons. Mais tu n'es pas obligé d'aller attraper les poissons. Si tu vois l'animal, c'est vraiment un crime. Il y a les poissons là-bas. Tu vois la pelouse. Tu vois comment c'est beau. Depuis que nous sommes ici, tu vois les gens là-bas avec le vélo. Ils conduisent le vélo là-bas. Tu vois? J'avais dit chaque dimanche, les gens viennent avec le vélo. Je vais partir comment? Il faut toujours regarder. Regarder gauche à droite. Tu vois? Oh, les gens viennent ici chaque dimanche ici. Oh, c'est joli, j'ai aimé. C'est même pas dimanche, c'est lundi, mais pourtant, les gens viennent ici chaque fois ici avec leurs histoires, ça. Je vais venir ici avec mon vélo. Non. Je vais venir avec mon vélo ici. Le dimanche. Waouh. Génial. Un peu calme parce qu'il n'y a pas moyen que je puisse faire beaucoup de commentaires. C'est moi-même qui est au volant, je suis au volant maintenant ici. Je ne saurais pas faire beaucoup de commentaires parce que je suis au volant. Je suis pas au downtown. Je ne saurais pas faire beaucoup de commentaires parce que je dois être vraiment concentré. Ce qui se sépare, moi je prends quoi? Je prends ça, non, je faisais les rires, je prends ça. Je lance un message aux Français qui vient souvent faire le tourisme ici à Austin. Regardez mon vidéo. Si vous voulez aussi que je vous fais découvrir de places là où vous pouvez venir s'amuser ici, visiter, vous pouvez me contacter. Je peux vous faire visiter des endroits ici. Bon, aujourd'hui, je ne fais pas la visite. J'étais quelque part. Je suis en train de rentrer chez moi à la maison. La route ici que j'ai prise est loin. Je suis en train de rentrer chez moi à la maison. Mais ce n'est pas la visite que je vous fais. Je rentre chez moi à la maison. Donc, j'avais profité de vous filmer un peu. Qu'est-ce que vous trouvez des routes ici? Tu penses que tu sauras conduire ici?
aux États-Unis. Est-ce que c'est difficile les routes ici? C'est compliqué, ça fait vertige. Je devais même mettre le son d'une chanson, même la mienne, mais tellement que je suis au volant, je ne veux pas vraiment me distraire ici. Parce qu'ici aux États-Unis, accident de voiture, c'est crime. Donc tu seras devant le juge. Oh mon Dieu. Ici quand tu fais l'accident ici, c'est parmi les crimes. Même si c'est pas les crimes des premiers degrés, mais c'est parmi les crimes. Parce que ça m'a aussi aidé à venir à vous montrer aussi là où je suis en train de partir. Je rentre là-bas devant. Une fois. Si tu es dans l'autre bande là-bas, tu peux te perdre facilement. Bon, il faut vraiment être concentré quand tu es au volant ici. Je ne mets pas les chansons, je ne mets pas la musique. Je veux être concentré. Il y a les voitures qui sortent. Il faut vraiment être prudent aussi ici. Quand tu vas venir ici, même si tu as le permis de conduire international, il faut que tu puisses un peu rester même pendant 3 mois. Pendant 3 mois avec les amis aussi, regardez comment les amis aussi conduisent, comment ils dirigent leur voiture. Tu vois vraiment l'idée. Ah, là-bas c'est les trains. Les trains ici, quand ça passe, ça fait même 10 minutes, ça finit pas de passer. Ça peut être un train de 10 minutes, ça finit pas de passer. Beaucoup de wagons. C'est ça les États-Unis, mes amis. Les États-Unis, c'est comme ça. Hein. Les États-Unis, c'est comme un paradis. Moi, j'appelle ça paradis abandonné. C'est comme si les gens habitaient, mais là, les gens n'habitent plus. Vous allez voir comme si les gens n'habitent plus. Comme c'est quelque endroit qui est déserté. Mes amis, descendant à Abidjan comme ça, là. Yeah! Plein de fous. Plein de gens. À Kinshasa, ne parlez même pas. Même si tu pars à Paris aussi, c'est comme ça, non, à Paris. Beaucoup de gens sur la route. Le bien d'ici, tu vois seulement voir de belles voitures sur la route. Mais la route que je prends ici, c'est très loin, mes amis. Je ne veux pas prendre cette route ici. Pas mal, je vous montre un peu. C'est pas combien de minutes, ça reste plus ou moins 6 minutes pour que je puisse arriver là où je pars. Je suis plus au centre-ville. Bagnole, hein? Bagnole.
Donc, avec cette vidéo, même si tu vois, je suis pas aux États-Unis, donc c'est déjà bon parce que tu as déjà visité. Donc, tu visites les États-Unis sur vidéo. Si je dois être vraiment très concentré ici. Ils m'ont dit de prendre, non, ils m'ont dit de prendre comme ça. Je le prie. Et puis, je fais comment? Je vais entrer, ok. Je vais entrer. On va regarder si une voiture vient. Une voiture vient, mais ça vient pas, mais non, comme ça. Je vais prendre ça. Et puis quoi? Et puis, j'entre ici. Les amis, regardez même vous-même. Les places qui nous. Sorte mouton, si sorte mouton, je vais prendre à côté. Il y a une voiture, il n'y a pas une voiture. C'est quoi ça? C'est un animal. On a cogné. Je vais prendre comment? Lentement, 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 papa, lentement. Lentement, lentement, papa, lentement. Les amis, le marché, non? Enfoiré, enfoiré, enfoiré. Bouchon. Ah, maintenant je vais arriver quand le bouchon ici. Tout c'est en anglais ici. Oh non, quand tu pars aux États-Unis, il y a aussi les choses en français. On va pas écrire en français, mes amis. On n'écrit pas en français. On écrit seulement en anglais ici. Oh, on va écrire en espagnol. Moi, je parle espagnol. Je suis Spanish. Et le reste, les choses en espagnol. Tant pis, papa. Tant pis, tant pis. Tant pis. Je suis presque arrivé. 4 minutes. Oh. Ça, ce sont les latinos. Et ils ont. Ils aiment avoir leur propre entreprise. Et avec leur propre entreprise, ils font les choses pareilles. La construction, Olympique, canaliser les histoires. Je suis presque arrivé, je crois. Mes amis, depuis je suis, j'ai commencé à marcher ici. Où est-ce que vous avez vu les chassés? Donc, soyons sérieux, non? Où est-ce que vous avez vu les chassés sur la route? La poubelle? Où c'est? Tu vois les sortes de moutons ici? Si c'est à Kinshasa, mais il y aura une compagnie là qui va venir mettre un peu le dessin ici. Oh non, acheter les cartes SIM. Il y aura maintenant le magasin qui vont venir faire. Il y aura même les gens qui vont venir vendre ici. Je vous dis vrai. Ils vont venir vendre ici. Tu vois ces maïs ici là. Les gens vont commencer à vendre les maïs ici. Les gens vont commencer même à habiter ici. Au-dessus de pont ici. En dessous de pont ici. Il y aura les gens qui vont venir commencer à jeter les poubelles ici. Est-ce que vous voyez les poubelles ici? Vous voyez ça? Faut pas dire que non, c'est nous-mêmes. Moi, depuis que je suis ici, moi, quand j'étais en Afrique, hein, je vous dis vrai, parfois je mangeais aussi les bonbons comme ça, j'ai jeté sur l'arrière. Hein. Normalement, là, parce que tout le monde jette, moi je vais vous faire comment, je vais aussi jeter. Mais si personne jette, comment toi tu vas commencer à jeter les choses ici?
tu auras honte. Parce que personne ne jette. Personne ne va pas jeter. La 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 la. Bon, c'est les petits tours hein, que je vous fais ici, le petit tour. Petit tour de Austin. Il y a les endroits pour les touristes qui un jour je veux partir filmer. Moi, je fais pas cette vidéo comme une vidéo de touriste. C'est, je viens quelque part, je pars chez moi et je suis en train de filmer. Je pars chez moi, je filme. Donc, l'embouteillage ici. Ce n'est pas tous les jours comme ça l'embouteillage. Hein. Ce n'est pas tous les jours. Ici aux États-Unis, il n'y a pas vraiment des embouteillages. Et le bon des embouteillages d'ici, vous marchez, vous voyez. Il y a l'embouteillage, mais je marche. Je roule. Tu vois. Ce n'est pas comme chez lui. L'embouteillage. J'ai faim, mes amis. Je dois partir manger déjà. On doit partir manger. J'étais sorti le matin pour aller à l'hôpital. Faire les check-in. Je ne vais pas manger. Et puis, je rentre à la maison. Maintenant, j'ai faim. J'avais oublié de manger. Mais pourtant, ici, il y a beaucoup de choses à manger ici. Mais parfois, quand je suis stressé, je n'ai pas vraiment l'appétit de manger. Il y a un ami qui me dit, mais il y a seulement des belles jeeps ici. Oui, non? Il y a les belles jeeps ici. C'est pour ça que quand je vous fais montrer les voitures, oh non, c'est cher. Il faut nous faire montrer les voitures de 5 000 $. Mes amis, quand tu vas venir ici, après 3 ans, tu ne vas pas marcher avec les voitures de 5 000 $. Tu vas marcher avec les voitures, tu vas rouler avec les voitures de 40 000 $. Au début, tu as un PL, tu penses que tu es en Afrique. Et si tu n'es pas en Afrique, tu ne vas pas gagner ce que tu gagnes en Afrique. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu vas acheter des belles voitures. C'est pour ça que vous voyez ici, tout le monde a de belles voitures ici. Et l'embouteillage ici. Oh, papa. Moi, j'aime les jeeps aussi. C'est les jeeps que je rêve acheter un jour. Moi, j'aime les jeeps un peu sportifs comme ça. Oh, j'adore, papa. J'adore, papa. J'adore. Na, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Maintenant, il est derrière moi. Mettez un peu les commentaires, les amis. Ça a pris beaucoup de temps, hein, cette route ici. Là nous sommes les maisons sur la bamba, nous sommes un peu en haut, nous sommes en haut vraiment. Tu peux marcher même pendant 2 km, vous êtes toujours en haut et les gens sont en bas. La route ici c'est mal, je vais jamais venir ici encore. C'est pour la première fois que je peux savoir. Mais sérieux, depuis que je suis venu aux États-Unis, c'est pour la première fois que je vois l'embouteillage comme ça. C'est pour ma première fois. Je vous dis vrai. Ça n'a jamais été bouchon comme ça. C'est pour ma première fois. Ah, Seigneur, je dois rentrer à la maison. Je dois partir faire l'émission ici. D'ici 2 minutes, je devais être à la maison pour faire une émission. Ah, Seigneur. Cardillac. Seigneur. Mmh.
Oh, Jésus. C'est ça, hein. C'est l'Amérique. Ça, ce sont les camions qui transportent les histoires. Ce n'est pas bouchon comme ça. Ce n'est pas possible, c'est du côté-ci. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, aujourd'hui, c'est lundi. Ah oui, nous sommes lundi. Ah, nous sommes 12 heures, c'est normal. C'est normal. Lundi à 12 heures, c'est embouteillage. Lundi à 12 heures, c'est toujours embouteillage. Oh mon Dieu. Est-ce que vous aimez la vidéo? Vous aimez voir? Vous êtes déjà fatigué de l'embouteillage aussi, vous aussi. Il y a aussi les gens qui profitent pour regarder les voitures que les Américains aiment conduire. Allez voir. Que les Américains aiment. Mes amis, la première fois que j'étais venu aux États-Unis ici, où la première chose qui m'avait étapé, c'était le voiture de belle carrosserie. C'était le voiture qui m'avait beaucoup. Parce que tu vois, quand on dit il y a voiture et voiture. Il y a une voiture que les Chinois fabriquent aussi là-bas en Chine. Ce n'est pas original, c'est les voitures. Tu vois voiture, mais ce n'est pas original. C'est... Tu vois quelque chose qu'on a piraté. Hein? On a des... c'est ma piraté. Tu vas voir que c'est piraté même. C'est piraté, c'est piraté. Mais le jour que tu vas voir maintenant l'original, tu vas dire waouh. C'est comme ça. Et pourquoi j'étais venu ici? Pourquoi j'étais venu ici, cette route ici? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dois commencer l'émission en quelques heures. Ce n'est pas possible. Oh mon Dieu. Bon, si ma vidéo arrive à... 35 vies, 35 minutes, je vais arrêter. Mais moi, je suis fatigué déjà. Vois les routes en bas là-bas. Vois les routes en bas. Vois, nous sommes en haut au bout du. Vois les routes en bas. Il y a les gens qui regardent la vidéo comme c'était. Oh mon Dieu, lequel jour je serai là-bas. Tu seras. Tu viendras. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans ici? La curiosité un peu de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça peut être une machine. Une machine pour peindre la maison. Hein, pour Il y a une bourrette. Il y a, ce sont les gens des. Ça peut être les plombiers. Oui, les plombiers. Il a sa propre compagnie de plombierie. Pour canaliser un peu l'eau, il y a une bourrette pour mettre les immondices, il y a une seau dedans, quelques seaux, il y a aussi les cordes, il y a vraiment tout pour travailler. Tu peux l'appeler pour canaliser un peu l'eau sur ton appartement, dans ton appartement, et la route ici que Dieu me pardonne vraiment. C'est pas possible. Tu vois, on m'appelle même. Bon, j'arrête la vidéo, mes amis. Mettez un peu les likes, partagez un peu, Maxime.